Dans le quotidien, on retrouve les journaux dans les kiosques. Si les lecteurs les achètent pour s'informer, les pentes d'automobiles de leur côté s'approprient des journaux pour leur travail. C'est le cas de ce garage situé à Wolofobougou, où les peintres utilisent les journaux papier après lecture pour couvrir les voitures en cours de peinture. Cette pratique d'usage du journal papier est fréquente dans les garages automobiles au Mali. Ali Folote, Madola, journal Kouimbe avait manqué, n'a manqué la même ciment papier d'État. Donc, si mon papier est utilisé, mais au sort de la journal sera arrivé sur un oranari, donc, mais journal n'aura vite roulé quand la baraque n'est. Mais journal papier que les mobiles n'ont qu'à pour que peinture quand la yorom nous sera. Yorom nous met ni peinture manquante que yorom nous sera. Mais papier que yorom n'est noir. À fond bas, il est au de ce garage se trouvent plusieurs organes de presse, notamment le Sourceau et l'Informateur qui collaborent avec ces peintres. Djagarija Sanogo est rédacteur en chef du journal Informateur et l'Humanité. Il donne parfois ses anciens journaux à ses voisins garagistes. Au début, tout d'abord, quand j'étais stagiaire, vous voyez, notre bureau fait face au garage. Quand je voyais nos journaux sur les voitures avec les tauliers, bon, j'étais sur les nerfs. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'est leur travail. Donc je suis ravi, avec nous aussi, ils parviennent à nourrir leur famille. Quoi. Les anciens journaux sont vendus à 400 francs CFA le kilogramme sur le marché, selon les garagistes. Bon, il y a un matériel qui est en train de se faire. Parce qu'il y a un matériel qui est en train de se faire, il faut que ça soit en train de se faire. Parce qu'il y a beaucoup de journaux qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire, il y a des gens qui sont en train. Les journaux ne se limitent pas à informer. Ils vont rayonner d'autres métiers dans la société. Comme pour reprendre l'adage scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme.